Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications Android. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'application Science et Avenir, qui va être une application qui va concerner les gens qui aiment beaucoup la science et qui veulent rapidement voir les dernières innovations ou l'actualité scientifique. Donc voilà, donc ça va plus intéresser un public qui aime la science et qui aime savoir toutes les nouveautés scientifiques. Du moment, donc on va cliquer sur ouvrir pour découvrir ça ensemble. Donc là, je vais ouvrir l'application. Donc pour ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le lien en bas de la description de la vidéo et directement ça va vous mettre sur le PlayStation Store pour télécharger l'application. Donc là, on est dans l'onglet à la une. On peut découvrir les nouveautés scientifiques qui sont à la une en ce moment, comme là une nouvelle particule formée de 4 quarks détectée au CERN par Isaac Calapari. Je sais pas si j'ai bien dit, donc c'est un truc très intéressant à lire. Noyau, etc. Donc on va passer ce qu'on va découvrir l'ensemble de l'application. On peut aller sur fil d'infos. Là on peut aussi découvrir des choses intéressantes ou des choses scientifiques en images ou en vidéo qui sont très intéressantes à découvrir. On a aussi l'onglet santé. Donc là ça a plus parlé de Covid-19, mais il n'y a pas que Covid-19. Donc vu que le Covid-19 c'est ce qui c'est ce qu'on parle principalement, vu que c'est un truc qui est assez récent, du coup, c'est normal qu'on le retrouve dans cet onglet-là, mais il n'y a pas que de Covid-19. Ensuite, après avoir vu les angles principaux, on peut cliquer ici et avoir accès à plus une large gamme de la science, que ce soit la science santé, ça ne parle que de la santé qui est ici. Donc là, on peut avoir des infos sur le cancer de la prostate, entraînement, toutes les nouveautés en fait qui vont concerner le cancer, quoi. Les nouveautés qui vont concerner la nutrition que les scientifiques ont découvert. Donc on voit qu'on a vraiment une large gamme d'infos récents à découvrir. Les infos concernant la nature, c'est exactement la même chose. Donc c'est pareil, on a directement en avant toutes les choses importantes ou nouvelles qui vont directement mis en avant dans cette application. C'est ça qui est intéressant. Pour les animaux, c'est pareil. Des chercheurs notent un baby boom d'araignées en Arctique. Par Anne-Sophie Thésard, donc j'ai peut-être mal dit le nom. Du coup, c'est ça vraiment, on va dire, l'aspect principal de cette application, c'est que tous les nouveaux trucs qui concernent les animaux, la nature, la nutrition ou le cancer vont directement être mis en avant. Et ça évite de bosser du temps à chercher les nouveautés scientifiques parce que tout ça, en fait, c'est regroupé sur une seule et même application. Donc c'est pour ça que l'application Science et Avenir va être idéale pour les gens qui aiment apprendre de nouvelles choses dans la science ou dans les différentes branches de la science. Donc là, on est dans la branche high-tech et là, c'est pareil. Tesla bientôt un véhicule totalement autonome. Donc là, on retrouve vraiment l'HUD high-tech, tout simplement, avec les évolutions. Donc on voit qu'on retrouve énormément de choses à découvrir, que ce soit des vidéos ou des articles, etc., etc. Donc, Archeo Paolo. Donc là, c'est pareil. On découvre encore des merveilleuses choses à découvrir, fondamentales, politiques. On a vraiment une large choix de gamme à découvrir. Donc, et ensuite, on peut regarder sur les infos, donc à la une. Donc, on peut choisir, on peut encore, comment je pourrais dire ça, personnaliser les infos, mettre les infos soit à la une, soit en fil chrono. Donc, on a vraiment beaucoup de choses, soit mettre que les infos images. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à aller voir. Du coup, voilà, je vous ai présenté en grosso modo à quoi ressemble l'application. Si l'application vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la description de la vidéo pour être directement sur le PlayStation Store de votre téléphone Android et de télécharger tout simplement l'application. Et si vous voulez retrouver d'autres applications Android, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne pour voir mes anciennes vidéos où je présentais des applications et les nouvelles qui vont arriver. A plus la team! Pour découvrir d'autres applications sur votre téléphone Android, cliquez sur l'éperdu du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Applications Android intéressantes. Donc dans cette playlist, vous retrouvez déjà un nombre conséquent d'applications à découvrir, que ce soit des applications pour faire des économies, trouver des bons plans ou des applications pour muscler son cerveau et bien sûr d'autres types d'applications à découvrir. Et je vous remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible avec des nouvelles vidéos. A plus la team!